Donc maintenant, ça c'est pour me démontrer nous avec dernier barrage pour me dire nous qui concerne le cadre de visite. Je fais tout ça. Je fais tout ça dans le cadre de visite moyen. OK. Je vais seulement faire un bail qui est le clipping mask. Si vous avez qui qu'on utilise Corel. OK, si vous avez qui qu'on utilise Corel Joe, nous connaissons qui sa clipping mask là. Et Illustrator lui-même, tout le bon possibilité pour faire. Le clipping mask, ça c'est un rectangle fait qui englobe tout ça au fait là. Côté que vous sauvegardez tout et vous faites contrôle 7 ou du moins soit aller dans Object et puis Clipping Mask. Et puis, make. Et puis, dans comme ça. Ah, excusez. Et puis, on va prendre compte que toutes sortes de deux yo aller. Et puis, ça, lui-même, en fait, on va perdre du yo. Donc, bref, ça, c'est un détail qui n'a pas rentré là-dedans très bientôt. Mais en attendant, contentez-nous de faire design exactement grosseur. Et feuille de travail noir qui c'est 3,5 par 2%. Donc nous gagnons ça comme devoir pour premier atelier ça, pour nous faire un cadre de visite personnalisé, nous faire la non nous. Donc si nous le mettez graphiste, nous mettez graphiste. Donc bref, faire un cadre de visite pour nous. Donc ça veut dire prendre ça nous faire, puisque nous avons. Nous obliger à imprimer parce que nous avons tout servi avec pour nous imprimer pour nos nouveaux clients. Parce que si nous disons que c'est graphiste, eh bien, nous avons besoin d'offrir mon service. Nous. Et pour nous offrir nos services, nous faut nous bailler au contact. Nous. Donc, pour nous bailler au contact, nous, ce n'est pas notre mot sur papier. Nous allons écrire le numéro de téléphone. Nous. Mais c'est un cadre de visite. Nous allons longer par mon nom. Donc, prenons ça nous comme devoir, faire un cadre de visite. Un bel carte de visite pour tête nous et pour nous voir ben moi. Donc, essayer de garder avec nos modèles. Comme ça, il y a plusieurs autres modèles que je fais ou bien qui existent. Donc, nous ne sommes pas obligés de faire une qui semble à PAM, non? Mais bref, faire une qui n'a pas goût. Et puis, toi, sur Internet, tout. Aller sur Internet, par exemple, nous sommes capables de taper carte de visite. Nous sommes capables de voir plusieurs modèles carte de visite qui existent. Sinon, aller sur Google. Maintenant, après plusieurs modèles carte de visite. Une fois qu'on finit avec carte de visite, on va dans l'image. Même j'ai tout capable de taper carte de visite, modèle carte de visite. Allez, malheureusement. Et bien, après plusieurs modèles qui existaient probablement parmi modèles, ça, il y a là-dedans, on parie avec nous qui est capable d'inspirer nous. Oh. Il y a plusieurs là-dedans qui sont capables probablement inspirer nous. OK? Et puis, nous sommes capables de le faire à partir de eux. OK? Donc, m'attends de voir dans mes noms. OK? M'attends de voir dans mes noms. Donc, télécharger ces fichiers, ça que me quitte pour nous, pour nous capables d'utiliser Iconio parce que ça n'a pas fait encore de nos jours. J'ai envie de mettre téléphone. Donc, ça va faire tout simplement chercher une icône téléphone. Que m'baoué ça gagne. Mais probablement, on a besoin sur Internet. Ou bien si c'est numéro WhatsApp, nous avons simplement utilisé l'icône WhatsApp là. Et puis après ça, nous proposons un cadre de visite comme résultat de voix noire. Donc, m'attends ça dans mes noms. Et pour le prochain courant. Et je souhaite nous succès dans le devoir ça. Et puis, je pense que encore dans le prochain cours. Donc, prochain atelier, je vais rappeler que vous qui ça la bien. Malheureusement. Et si je me rappelle bien, je suppose que qui ça prochain atelier à bien. Qui est mal vérifié pour nous capables de qui ça prochain atelier à bien. Donc voilà, prochain atelier, c'est pour la duplication par symétrie.
Donc, nous allons ouais, dessin en symétrie dans le prochain atelier. Hein, côté que nous allons utiliser un petit crayon, nous allons ouais, parler d'aspect. Hein. Donc, prochain atelier, hein, là, très très riche et très très intéressant. Donc, bah, nous rendez-vous pour le prochain atelier hein, pour le dessin en symétrie.